Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous, Walid, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi, 3 avril, présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, le choix de cette date, une décision purement technique, réaffirme le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, que nous écouterons dans ce journal. L'ANP poursuivra avec détermination et rigueur le développement de ses capacités de défense, ligne directrice réaffirmée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire en visite hier au siège de la première région militaire à Blida. Sécurité sanitaire, axe primordial pour la préservation de la souveraineté du pays. Vaccin antigrippal fabriqué en Algérie dès juillet prochain, annonce faite par le ministre de la Santé. Plus qu'une semaine nous sépare des fêtes de l'Eid al-Fitr, 51 000 commerçants réquisitionnés pour les 4 ou 5 jours de fête. Le moment est aujourd'hui aux achats des vêtements de l'Eid, sans oublier la préparation des gâteaux. Nous nous intéresserons aux achats via le net reportage que vous propose la chaîne 3 ce matin. L'enseignement de l'anglais au niveau du palier primaire, un nouveau manuel d'anglais sera octroyé dès la prochaine année scolaire aux élèves de 5e année primaire, reportage de Maïel Kanza. À l'étranger, le bilan du génocide sioniste s'élève désormais à près de 33 000 morts et plus de 75 000 blessés. À Al-Quds, de violents affrontements ont eu lieu entre les colons et la police. Les familles des prisonniers de Hamas sont arrivées à détruire le barrage protégeant la résidence du premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou. L'actualité internationale également marquée par ce puissant séisme ayant ébranlé ce matin, Taïwan, 7,5 sur l'échelle de Richter, 4 morts et plus de 700 blessés, un bilan qui reste provisoire. Mais aussi, il y a les prix du baril de pétrole qui sont à leur plus haut niveau depuis 5 mois. Du sport avec la Fédération algérienne de football qui dévoile le programme complet des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Une première, instaurer la technologie de l'assistante vidéo à l'arbitrage à partir de ces quarts de finale. Présidentielle anticipée, le 7 septembre prochain, le choix de cette date évoqué par le président du Conseil de la Nation. Il s'agit d'une décision purement technique, Salah Boudjil l'a réaffirmé. La date précédemment choisie, celle de décembre, coïncide avec le renouvellement partiel du Conseil de la Nation, ce qui est, a-t-il dit, techniquement déraisonnable. En sus d'autres considérations techniques, le président du Conseil de la Nation intervenait au terme d'une plénière consacrée hier à l'approbation des deux textes de loi relatifs au code pénal et à l'industrie cinématographique. Comme il l'a exprimé dans ses interventions, le président de la République qui a décidé la date du 7 septembre pour l'élection présidentielle a expliqué la décision pour des raisons techniques et qui n'a aucun lien avec un autre sujet. Et c'est réellement un choix technique. S'il y avait élection en décembre, par exemple, au Conseil de la Nation, elle coïncidera avec les élections de renouvellement de la moitié des sénateurs. On sera donc en campagne dans les 58 wilayas. Alors comment peut-on les tenir en même temps? Voilà un aspect de ces raisons techniques. Salah Boudjil, le président du Conseil de la Nation. Également à la une de l'actualité, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire en visite de travail d'inspection au siège de la première région militaire à Blida. L'ANP poursuivra avec détermination et rigueur le développement de ses capacités de défense dans tous les domaines et le maintien de sa préparation opérationnelle au niveau le plus élevé. Objectif réaffirmé par le général d'armée Saïd Chingriha, synthèse Hanan Saïsi. Une allocution d'orientation dans laquelle le chef d'état-major Saïd Chingriha souligne la détermination de l'armée nationale populaire à poursuivre le développement de ses capacités de défense. En cette occasion, je tiens à souligner que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, poursuivra avec détermination et rigueur le développement de ses capacités de défense dans tous les domaines et le maintien de sa préparation opérationnelle au niveau le plus élevé, de manière à défendre les intérêts supérieurs de la nation. De même, elle veillera au renforcement du lien sacré qui l'unit à son peuple et qui confère à notre pays davantage de force et de résilience, qui le protège contre tous les dangers et toutes les menaces. Le général d'armée relève l'importance de l'unité et la cohésion de la société algérienne pour faire face aux menaces.
Nous sommes confiants que ces menaces seront endiguées grâce aux efforts des valeureux hommes patriotiques, ainsi qu'à la cohésion et le sens inné de la solidarité qui caractérise la société algérienne. Ce lien et cette cohésion sont un rempart solide contre quiconque oserait porter atteinte à la terre sainte de l'Algérie ou à son unité populaire, territoriale et ses intérêts vitaux. Le général d'armée a donné des orientations quant au maintien de la préparation opérationnelle des unités de la région au plus haut niveau. Synthèse signée Hanan Saïsi. Autre axe primordial pour la préservation de la souveraineté du pays, la sécurité sanitaire. Un accord sera signé juste après l'Eid al-Fitr entre l'Institut Pasteur et le groupe pharmaceutique Seidal en ligne de mire la production du vaccin antigrippal attendu dès juillet prochain. Les ambitions ne s'arrêtent pas là. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Santé, Abdelhak Zeghri. On veut, à travers Seidal et les partenaires économiques de notre pays, créer des actions communes avec l'Institut Pasteur pour pouvoir produire les vaccins chez nous. C'est cela la vraie sécurité sanitaire. Nous avons toutes les possibilités et les capacités économiques. Nous avons aussi l'intelligence de l'université. Nous pouvons le faire facilement. D'autant plus qu'aujourd'hui, Seidal est capable de le faire. Se propose pour le mois de juillet d'avoir le premier vaccin algérien avec l'Institut Pasteur. Production pharmaceutique toujours, le ministre du secteur Ali Aoun qui a mis hier en avant les objectifs de son département, à savoir la couverture de 80% des besoins du pays d'ici la fin de l'année en cours. Il était en visite de travail à Boumerdès. Par ailleurs, Ali Aoun a fait savoir depuis Boumerdès toujours que le projet de réalisation de la raffinerie de sucre de Rabatach a acquis par le groupe public Madar Holding, après avoir été confisqué en vertu d'une décision de justice définitive, sera prêt et opérationnel avant la fin de l'année en cours. Plus qu'une semaine nous sépare des fêtes de l'Eid al-Fitr, 51 000 commerçants réquisitionnés pour les 4 ou 5 jours de fête. Annonce faite par le ministre du Commerce hier, Taïb Zitouni, qui a appelé les opérateurs économiques, les producteurs notamment agroalimentaires, à approvisionner les commerçants. Le temps est aujourd'hui aux achats des vêtements de l'Eid, sans oublier les ingrédients pour préparer les gâteaux, encore des dépenses. Les bourses des familles algériennes est mise à rude épreuve. Les sorties des soirées consacrées aux achats de l'Eid al-Fitr, mais sinon on peut faire des achats en ligne, le commerce électronique en plein essor. Des plateformes en ligne aux fonctionnalités marketplace, des réseaux sociaux, toutes sortes de produits sont proposés aux consommateurs souhaitant effectuer leurs derniers achats avec paiement à la livraison. Un concept pratique et qui a tout de même besoin davantage de contrôle pour s'assurer que les droits des consommateurs soient respectés. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Samy Alloun. Le recours au e-commerce pour finaliser ses achats de l'Aïd, un concept pratique, Mohamed y a recours pour la troisième année consécutive. À chaque Aïd al-Fitr, j'ai l'habitude d'acheter en kamis. Mais durant ces derniers jours, il y a beaucoup de monde. Je n'ai même plus de place pour essayer les vêtements. Heureusement que maintenant, ces magasins proposent l'achat en ligne et la livraison. Cela réduit la pression sur les magasins et arrange ceux qui sont occupés ou ne peuvent pas sortir la nuit. C'est une bonne chose qui devrait être généralisée davantage. La livraison. Un concept économique en termes de temps, mais qui vient avec son lot de risques, arnaques, fausses publicités. L'aspect contrôle devient alors crucial pour s'assurer du respect de certaines règles, que le consommateur puisse être satisfait ou remboursé. Yazid Aguedal, membre du conseil administratif du groupement algérien des acteurs du numérique. Il faut savoir que par rapport aux démarches ou à la procédure actuelle de commande, de livraison, de paiement à la livraison, il y a beaucoup de choses à régler. Côté garantie, la protection du consommateur, le droit. Par exemple, si on n'est pas satisfait, comment on pourra être remboursé ou on pourra échanger les articles commandés. Donc je pense qu'il y a un aspect contrôle qui va suivre. Tout ce secteur, il arrivera un moment où l'État doit le contrôler, au moins le régulariser pour être sûr qu'au moins les consommateurs sont protégés. Si pour le moment le modèle de commerce électronique consiste en un paiement à la livraison, la généralisation du paiement en ligne et mobile pourrait contribuer à mettre en place un système qui garantit la traçabilité et la sécurité à chaque transaction effectué en ligne.
8h09, actualité internationale dominée par la situation à Gaza, où les bilans du génocide des Palestiniens s'élèvent à 32 916 morts, plus de 75 490 blessés. Les exactions qui se poursuivent à Al-Quds, de violents affrontements ont eu lieu entre les colons et la police. Les familles des prisonniers du Hamas sont arrivées à détruire le barrage protégeant la résidence du premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou. Pour rappel, le gouvernement espagnol a décidé de reconnaître l'état de Palestine d'ici à l'été. Cette décision confirme une nette accélération du calendrier récemment mis en avant pour la reconnaissance d'un État palestinien. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir sur la demande de la Russie, une réunion d'urgence face à l'attaque sioniste contre un bâtiment diplomatique iranien à Damas, c'était avant-hier, et qui avait fait au moins 13 morts. Au dernier bilan, un attentat qui a suscité de multiples réactions, à commencer par celle du secrétaire général de l'ONU, et qui a condamné l'attaque contre le consulat iranien à Damas en Syrie, appelant à respecter le droit international. À Téhéran, le Conseil de sécurité iranien s'est réuni lui aussi pour établir une riposte. Quelle pourrait être cette dernière et ses contours? Élément de réponse avec Bassam Tahan, spécialiste des questions géostratégiques. Il répond à la Béa Slimani. La personne qui a été assassinée dirigeait comme expert toute la modernisation de l'armement en Syrie au Hezbollah. À part son passé de commandant, c'est aussi un ingénieur et un expert d'armement. Alors sûrement l'Iran peut répondre, mais je ne pense pas que l'Iran va déclarer la guerre à Israël. Ça va être coup par coup. Parce que le but justement de Netanyahou, c'est d'entraîner l'Iran et d'entraîner les États-Unis aussi dans cette guerre. Et puis l'actualité marquée également par ce puissant séisme ayant ébranlé ce matin Taïwan, 7,5 sur l'échelle de Richter. C'est le bilan, c'est le séisme le plus violent depuis 25 ans, des nombres déjà 4 morts et plus de 700 blessés, un bilan qui reste provisoire. Le prix du pétrole au plus haut niveau depuis plus de 5 mois, la situation du marché pétrolier examinée aujourd'hui par les membres de l'OPEP+, qui devraient maintenir ses réductions de production. Retour chez nous, nous vous l'annoncions en titre, un nouveau manuel d'anglais sera octroyé dès l'année scolaire prochaine aux élèves de la 5e année primaire qui ont déjà suivi les cours de langue anglaise depuis la troisième année, et ce dans la perspective d'élargir l'enseignement de l'anglais au niveau du palier primaire. C'est le reportage de Mayel Kinza. Rachida et Kenza, ces enseignantes en langue anglaise, ont bien accueilli l'annonce de la disponibilité prochaine de ce nouveau manuel, outil pédagogique indispensable pour la continuité en cinquième année de l'apprentissage de cette langue. Ce manuel sera une continuité de troisième et quatrième année, riche, attirant pour les petits, pour améliorer et enrichir leurs connaissances. Et il sera disponible dès la rentrée scolaire prochaine à l'échelle nationale. C'est une bonne décision prise par la tutelle, vu que l'anglais est la langue internationale. La disponibilité du livre d'anglais de la cinquième année, ça sera une bonne initiative pour les élèves pour découvrir une langue riche. Un dispositif de remédiation dans la matière d'anglais sera mis en place pour les redoublants de la cinquième année afin de les mettre au même niveau que leurs camarades. Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF. Là, c'est un problème. Comme ça a été pour les quatrièmes années de l'année passée, les troisièmes années de l'année d'avant, mais on a toujours trouvé des solutions. On les prenait une heure, deux heures des fois à part pour leur montrer les fondamentaux de cette langue. Le livre scolaire est un support pédagogique d'un apport essentiel pour les élèves. Le livre scolaire d'anglais pour les élèves de 5e année, dès le début, va être utilisé en classe avec l'aide du professeur et à la maison aussi comme outil pour la révision essentielle. Mziane Marianne, pédagogue. Moi je dirais que c'est une excellente initiative s'il est disponible dès le début de l'année scolaire. Le contenu du nouveau manuel d'anglais doit s'articuler autour d'une approche dont le principe d'élaboration se fonde, selon ce pédagogue, sur des objectifs et des exigences pédagogiques bien déterminées visant le développement chez l'élève des facultés de compréhension et de production orale et écrite. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.